Salut mes meeples, ou plutôt mes meeples vikings. Ce soir, je vous emmène découvrir Hell, The Last Saga. J'avais envie de vous parler de ce titre qui va venir bientôt dans les semaines à venir en campagne Kickstarter chez Mythic Games, un éditeur que vous connaissez sûrement pour Jeanne of Arc, Rage Buster, qui ont été livrés, Solomon Kane, Super Fantasy Brawl, Enchanters, qui eux vont être livrés cette année ou l'année prochaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ou vous parler de tout ce qui est de tout ce qu'on sait de Hell, The Last Saga, leur futur Kickstarter. Puis ils ont commencé un peu à distiller des informations à droite à gauche, à donner un peu des infos, à teaser. Donc on se rapproche à grands pas du début de cette campagne Kickstarter. Il n'y a pas de date encore connue. On peut supposer que ça va venir en mai, le mois prochain, dans quelques jours. Donc j'ai compilé un peu des infos, toutes les informations que j'ai trouvées sur le site de l'éditeur, sur Facebook, sur les informations de Leonidas, sur un certain nombre de forums. Et tout ça, en grattant à droite à gauche, j'ai pu en faire un article avec plein d'infos. Et donc je vais vous les présenter pour essayer de vous rendre un peu moins mystérieux ce titre qui est bien mystérieux, où on va partir explorer une île recouverte d'un grand brouillard, où on ne sait pas ce qui se passe, à la poursuite de notre roi qui est parti un an avant nous et qui a disparu. Alors laissez-moi vous présenter un petit peu mieux Hell, The Last Saga. Alors voilà, qu'est-ce que ça va être Hell, The Last Saga? Alors Hell, The Last Saga va vous embarquer dans un univers de vikings, dans un univers un peu d'horreur aussi, où vous allez incarner une expédition de vikings qui va partir à la recherche d'une première expédition, partie à peu près un an avant, l'expédition du roi Haakon, qui a disparu sans laisser de traces, qui ont disparu corps et bien. Vous allez vous élancer, mais le voyage va pas très très bien se passer, puisque de tous les guerriers qui sont embarqués sur les drakkars, seuls 13 guerriers, en tout cas 13 personnages vont réussir à atteindre cette île mystérieuse et vont arriver face à un drakkar qui est fiché dans le sol, genre la proue dans le sol, et avec une sorte de croix en haut, enfin, hein, dans une position pas très habituelle, et encore moins sur la Terre. Donc voilà, donc on va découvrir, c'est un jeu, ça va être un jeu narratif. D'exploration dans cet univers viking. Alors c'est prévu pour 2 à 4 joueurs, il y a un mode solo qui est prévu, a priori on va partir sur 13 champs, c'est-à-dire 13 épisodes à découvrir, chaque épisode étant séquencé en plusieurs scénarios, 3-4 scénarios, chaque scénario se jouant entre 1 à 2 heures, donc ça fait un certain nombre d'heures de jeu, il y aura de quoi faire a priori. Il va y avoir deux grandes phases dans ce jeu. Il va y avoir une partie de gestion de camp, où là on va devoir gérer notre campement, le développer, construire des nouveaux bâtiments, parce qu'il faudra bien survivre. Déjà, c'est une des premières missions sur ce jeu, c'est seulement de survivre à la rigueur de l'île, à ce qu'on va affronter. Il y aura justement de la défense de camp à faire, il va chercher du bois, il va falloir sûrement se nourrir. Enfin bon. Alors donc se développer sur ce camp. Et puis il va y avoir des phases d'exploration où on va s'aventurer un peu dans cette île, à la découverte de ses mystères. Donc ça va se passer sur des hexagones qu'on va positionner en fonction du scénario. Et puis on va aller certains vont être directement phase visible dès le début de la partie exploration. Puis d'autres vont être retournés sous le brouillard de guerre. Puis on va les dévoiler lorsque nos personnages vont s'en approcher. Et puis donc là on va pouvoir découvrir des mystères, faire des rencontres, genre faire un certain nombre de choses qui vont nous permet de nous découvrir un peu plus sur les mystères qui entourent cette île. Alors c'est un jeu qui est coopératif, mais pas complètement a priori. Donc ça on n'en sait pas trop. Peut-être un petit peu comme à la Nemesis où il y a ce système de coopératif, mais chacun avec quand même avec son objectif. Puisqu'à un moment donné, il a été question que lorsqu'on va rencontrer des gens, lorsque certains héros vont rencontrer des PNJ, on va lire certaines choses, puisque c'est un jeu narratif, on va être amené à découvrir dans un livret d'aventure un certain nombre de choses. Ces choses vont être lues à tout le monde, et puis parfois elles vont être lues que par le joueur qui est en contact, et peut-être qu'il va vouloir garder secret pour lui ces choses. Donc voilà, et c'est coopératif, mais pas complètement. Donc là, on va essayer d'en savoir plus dans les prochains jours, les prochaines semaines, lorsque la campagne va être lancée.
Au niveau des scénarios, on nous promet beaucoup de diversité. Hein. On nous permet un peu certains scénarios où ça vient un peu plus de la tower defense, d'avoir faire affronter, se défendre face à des vagues d'ennemis qu'on ne connaît pas encore. Ça va être de l'exploration, ça va être un peu des scénarios un peu fort à la mot où on va être, on va devoir tenir jusqu'au bout. Voilà. A priori, on ne devrait pas s'embêter. Et vraiment, aucune répétition, je dirais, dans les scénarios, ou très peu en tout cas. C'est vraiment pas l'objectif. Donc voilà. Donc là, on voit un petit peu aussi les images de certains rescapés. Hein. Donc elles sont très belles, mais ça, c'est Mythic nous a toujours habitués à des univers très forts, à des choses très très belles. On va voir à la fin quelques figurines peintes qui sont superbes. Et donc justement, en parlant de ça, on parle du matériel. On devrait pas être déçu au niveau des figurines. Hein. Ils viennent de livrer Rage Buster qui a des figurines superbes. Donc là, on repart sur de très très belles figurines. A priori, c'est en 32 mm si je ne me trompe pas. Donc les figurines de nos héros. Alors petite particularité, on va pas jouer une figurine. Chaque joueur ne va pas incarner un héros. On va jouer le clan. Et donc en fonction des scénarios, des épisodes, on va pouvoir jouer telle ou telle figurine qui vont évoluer bien sûr au fur et à mesure de la campagne. Et donc on va peut-être jouer une figurine qui était jouée précédemment par un autre joueur, puisque les scénarios peuvent être axés sur certains personnages, et donc bénéficier de ce qu'ont fait les joueurs précédents, et parfois aussi des malus, puisqu'en fait les blessures, on va subir des blessures, hein, ces blessures vont nous faire perdre un peu des talents ou des capacités spéciales qu'ont les joueurs. Donc on va garder certaines cicatrices au cours des scénarios. Il y aura peut-être moyen de se soigner. En tout cas, voilà, il y aura des conséquences de scénario en scénario. Donc les figurines, comme je disais, sont superbes. On aura aussi chaque épisode à venir en fait dans une petite boîte qui va s'insérer dans la grande boîte. Et donc on aura des enveloppes secrètes, des figurines à découvrir. Il y aura un système un peu a priori de ce qu'a dit Léo sur un forum, très léger, un peu legacy. Alors, je pense pas que ce soit une destruction de matériel et qu'on joue une seule fois la campagne, pas du tout. Mais de ce côté un peu découverte, un peu voilà mystère, parce que c'est vraiment un jeu qui va être entouré de mystères. Donc on va découvrir. Donc peut-être sous ce côté-là. La boîte aussi était spécifique, qu'elle a été développée autour du jeu pour permettre ce rangement justement. Donc voilà, on ne devrait pas être embêté avec le rangement. Donc les figurines superbes. Ici on a une autre figurine, d'un autre héros, d'un autre survivant. Bon, il manque la main droite, mais il a une belle épée, très belle peinture. Donc c'est Seb Lavigne, hein, c'est un des membres de l'équipe de Mythic, hein, qui fait les peintures de ces figurines, donc de toute beauté. Voilà. Donc et puis après on a un ensemble bien sûr d'artworks qui ont été dévoilés, un peu mystérieux. Voilà, on voit des choses dans l'univers viking, dans tout ce qui voilà, dans tout le fantasy viking qui vont entourer ce jeu. Donc pour répéter, ça va être un jeu coopératif, mais pas trop, ou en tout cas avec certaines doses pas tout à fait coopératives, mais on part quand même sur une base coopérative, 2 à 4 joueurs, un mode solo, donc 13 épisodes, des champs, comme ils appellent ça, avec 3-4 scénarios à chaque fois, à l'intérieur, 1 à 2 heures pour chaque scénario, donc vous faites le calcul, ça fait beaucoup d'heures de jeu, deux grandes phases, des phases de gestion de camp, défense, amélioration, gestion des ressources, et des phases d'exploration, où là on va vraiment découvrir les mystères qui entourent l'île, pour essayer de découvrir ce qui s'est passé, bon, pour survivre, et qu'est-ce qui s'est passé, où est passé le roi Haakon, pourquoi est-ce qu'on a ce drakkar dressé au milieu de l'île, comme ça, tel un totem, un obélix, voilà. Donc tout ça en découverte, au fur et à mesure des scénarios, des figurines 32 mm, un très beau matériel, sachez Mythic, on ne devrait pas être déçu, pas être surpris vu ce qu'ils nous ont déjà offert lors des derniers Kickstarter. Je pense à Rage Buster qui est en cours de livraison avec des superbes figurines. Là-dessus, on ne devrait pas être déçu. Donc, et puis une partie un peu voilà, de narration et puis de découverte. Alors aussi, ils ont bien spécifié que ça serait pas un. Il ferait attention à pas retomber dans un Solomon Kane avec des extensions à foison, des figurines à foison. Non. Ils vont après rester
assez limité, en tout cas en termes de figurines, pour avoir des figurines uniques, avec beaucoup de poses différentes, donc ce qui est toujours intéressant pour avoir, pas qu'un soit la même figurine, mais avoir des figurines qui sont toutes différentes, ce qui donne vie sur un plateau, ce qui est bien plus agréable. Surtout après qu'on les peint et qu'on en fait de belles choses. Donc il y aura une partie de un plateau avec un parti de camp, et puis il y a un plateau avec des hexagones où on va venir découvrir tout ça. Donc voilà, donc c'était tout ce qu'on sait de ce jeu, donc c'est en même temps c'est déjà pas mal, on sait quand même des choses, puis il y a encore beaucoup beaucoup de choses à découvrir, ça faut pas être inquiet avec Mythic, on aura une campagne très animée, beaucoup de découvertes. Alors pour ça, vous allez pouvoir aller voir il y a un groupe privé sur Facebook, donc vous pouvez y accéder, il y a près de 2000 membres, donc c'est du privé. C'est du privé, mais au sens large, dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont mises. Il y avait eu un certain nombre de petites énigmes pour teaser un peu le jeu, teaser l'univers, avec un prêtre chrétien qui a été emmené prisonnier, mais puis qui délirait, et puis qui voyait des choses. Voilà. Voilà, on a ici une de ses lettres, emplie de sang, emplie de mots, enfin bon, très, très mystérieux. Voilà, donc de toute façon, on va vite se retrouver sur la chaîne de Mathieu parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter sur ce jeu avec de l'analyse Kickstarter, de la présentation, des surprises. Donc vraiment, restez chez vous, mais restez à l'écoute pour rien manquer sur ce jeu. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va marquer les prochaines semaines. On va vraiment vous présenter tout ça. Voilà, si c'est pas fait, bah voilà, parlez-en, dites un peu ce que vous en pensez, ce que vous attendez de ce jeu aussi, attendez de Mythic, partagez la vidéo, likez, puis abonnez-vous, c'est important, on approche les 900 abonnés, peut-être bientôt les 1000, ça fait toujours plaisir. C'est pas une course aux chiffres, mais ça fait plaisir de voir la chaîne qui est soutenue. Donc c'est une vidéo un peu particulière, parce que c'est vraiment une pré-présentation de campagne, et je tenais vraiment à vous en parler, parce que c'est un titre qui a un univers très fort et qui, moi, m'attire beaucoup.